Mon parc est incroyable. Et je vais vous le montrer, on va avancer. Alors, on est... j'ai pas de clé. Non, j'ai pas de clé, en fait. Il lit pas les noms. Bah, y en avait pas, là. C'est ça, le souci, c'est qu'il y en avait pas, quoi. Sinon, j'aurais bien aimé, hein, mais... Sean, c'est un Pierre-Alexis Bison. C'est marrant. J'ai look le workshop. Ah non, on pourra regarder ce qu'il y a dessus. Ça se lance pas, là. Allô? Nice. Je vous avais dit qu'il y avait des téléchargements. Je vous l'avais dit. Ah, on est bien là. Nice, nice, nice. Ça, ça fait bien plaisir, ça. Tu veux pas jouer? Ah, je suis assez déter pour jouer, hein. On va devoir employer les gros moyens. Mais ouais, mon pote, je te force. Je te force à l'arrêt, mon pote. Hein? Incroyable, ça. La mage qui casse le jeu. Alors moi, je joue pas en franchise. Ce qui fait que moi, dès qu'il y a des mises à jour et tout, je m'en fous, quoi. Donc ça, c'est bien, ça. Sinon, tu as réglé tous les problèmes de parc. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Oh, le petit éléphanto! Je vais vous expliquer un peu où on en est et tout. Je m'ambiance, teste la musique quand même, on va revenir. Et là, bienvenue Domingo. Merci. Objectif de communauté franchise, relâcher 90 000 gorilles. Ah putain, c'est bien, il y a des trucs de groupe. Moi je joue que à mon truc en solo. Il fait Alex, merci beaucoup. Alors, cinquième mois, Aurélien, merci à toi. Barnabs, merci pour le prime. Les amis, je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé dans le plus beau parc de France. Qui est juste là, là où les animaux sont le plus heureux. Alors, animal malade découvert. Bon, il y a eu un mort. Oui. Alors, dans la nuit, Kanen nous a quittés. Mais il faut savoir que Kanen est morte heureuse. Et ça, c'est quelque chose que peu d'animaux ont. Donc, allez, on appelle le vétérinaire. On fait disparaître le cadavre. Et là aussi, il y a du malade. Il y a du malade dans tous les coins. Tout va bien. Tout va bien. On est ici dans le parc, dans le Pabzou. Alors, ce qui se passe, vous le savez, on a donc un parc qui, pour l'instant, dépend un petit peu de notre pont. Pour l'instant, on a ici un enclos à Lémurien, où ils sont super heureux. Un grand enclos où c'était un peu la merde. Vous voyez pas des nouvelles, là? Vous voyez pas les nouveaux trucs? C'est tellement horrible, MDR. Oh, vous êtes dur. Tes animaux n'étaient pas heureux. Bah, à part elle, qui est juste un peu stressée, mais sinon, ça se passe super bien. Tout le monde est au top, hein. Tout le monde est au top. C'est le meilleur parc. Voilà. Alors déjà... Non, mais là, les haies, je les avais déjà changées. C'est un peu rouillé, ça, non? J'ai l'impression que c'est un peu rouillé. J'ai rajouté des petits arbustes. Je pense qu'ici, on va faire une grotte. Mais une vraie grotte, cette fois-ci. Je crois avoir compris comment faire une grotte. Est-ce que la grotte serait pas là? Les baobabs en imposent. Non mais avouez que c'est plus stylé qu'avant. J'ai rajouté 2-3 trucs. En gros, ce que j'ai fait juste, c'est que en fait, c'était la merde. J'ai fait tous les trucs chiants qui en live allaient être relous à faire. En gros, concrètement, j'ai rajouté full soigneur. Tu vois? J'ai rajouté vraiment full soigneur que j'ai... je me suis donné, j'ai fait toutes les zones de travail que j'ai assigné, que j'ai machin, que j'ai truc. Honnêtement, c'est super bien, tu vois? Donc ça, c'est trop cool. Ce qui se passe maintenant, on a ici Brutus, vous vous souvenez de Brutus? Facocher, tout ça et tout. Brutus, on lui a mis avec un crocodile nain, Rara. Rara qui est toute petite. Faut savoir que Rara fait 2,5 mètres. Là où Brutus en fait 5 mètres. Il fait le double, hein. Concrètement, c'est quelque chose de... On sait pas trop ce qui va se passer à ce niveau, mais bon, il est toujours à 0% de fertilité. Hein. Un âge fort. Hein. 38 ans, il va canner. Ah, alors tout de suite, elle a 24 ans. Rara est en fin de vie. Rara est en situation de MILF. Mais c'est pas grave. Rara va super bien. Ce que je pense qu'on va faire, si vous me suivez bien. Ici, on avait dit des tortues. Voyez-vous? Là, je pense qu'en fait, il y a trop d'espace pour les deux crocodiles. Ils sont un peu trop heureux. Et de temps en temps, être un peu trop heureux, ça rend heureux personne. Eh ouais. Eh ouais, les gars. Eh oui, vous le savez. C'est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, je pense, c'est que
je vais mettre une clôture qui va faire que ici il va y avoir 3 enclos. Et là, il va y avoir des petits hippopotames nains. Ça serait incroyable, non? Tortue, crocodile, hippopotame nain. Incroyable. Incroyable. C'est genre... C'est... Alors là, non. Propre, pas la place. Il y a totalement la place. Excusez-moi. Ceux qui se prennent pour des architectes, là. Hein? Rattrapage mat en ES, on connaît, hein. Donc, mollo, s'il vous plaît. Donc, pourquoi pas des hippos? Parce que là, il n'y aurait pas de la place. Eh oui, les gars. C'est pour ça qu'on fait des nains. Sinon, il n'y aurait pas la place. Bon, de toute façon, vous êtes des Yankees, donc... donc, vous ne décidez pas. Voilà. Voilà ce que... Moi, je vous dis juste ce qui va se passer. Vous avez le choix entre dire oui ou bonne idée, Domingo, la divinité. Donc, voilà, c'est en fonction. Je vois que vous n'étiez pas au courant, apparemment, dans le chat. Vous n'aviez pas l'info. Apparemment, pas l'info là-dessus. Et ici, je pense qu'il va y avoir des gigalions. Attendez, mais... Il y a des gens qui disent non dans le chat, mais... Vous êtes tellement des forces de la nature. C'est incroyable, on peut pas vous mettre dans le rang, quoi. Vous avez une telle force d'esprit, une telle combativité. C'est si beau. C'est si beau ce que vous faites, vous... Vous cassez tous les codes, toutes les barrières. C'est dingue. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Bon, voilà un peu ce qui va se passer. Du coup, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a, les animaux malades, là? Allez, on s'occupe des morts. Les morts en premier. Social, il y a toujours un peu de stress. Est-ce que vous voulez que je commence par... Pourquoi ça freeze? Il y a trop de beaux animaux. Shaitan, merci pour les 5 subs offerts, j'avais même pas vu. Akidofu, merci pour le prime. Je pense qu'on va commencer... Oh bah Shaitan qui re-off 5 subs, merci énormément. Je pense qu'on va peut-être commencer par la grotte. Alors, là vous avez le droit de décision. Est-ce que on met la grotte ici? J'ai compris comment faire une grotte, je me suis renseigné, hein. Genre honnêtement, je fais des comme des lions. Non mais les lions, ils vont être là. Ils vont être ultra beaux. Et j'avoue que je pense qu'on fera pas de... Non mais c'est incroyable, mec. Imagine, t'es là. Tu vas avoir ici des tortues. Là, t'as des crocos. Et là, t'as des hippopotames nains. Ou inversement. Peut-être t'as des crocos ici et des hippopotames nains là. Tu vois. Je pense que la grotte, en fait, on peut la faire là. Oh bah loulou, est-ce qu'elle est heureuse quand elle va là, elle? Ah mais en fait, elle galère à marcher. Oh bah y'a son petit qui vient direct à elle. Ah ouais, elle galère quand même. Ah tu sais, on dirait, j'ai vu un reportage là-dessus, où en fait, ils escaladent un mur. Oh, mais c'est beau ça. Ils escaladent un mur, concrètement, et ils arrivent à marcher dessus, parce que je sais plus quel type d'animaux c'était. En fait, ils ont besoin de lécher du fer. Ou du soufre, ou du sel. Du sel, je crois que c'était du sel. C'est les chamois. Ah, c'est les chamois. Vachement bien ce truc, hein. Honnêtement, félicitations encore. Je vais leur faire... alors, on se pousse, je vais leur faire une petite... je vais leur faire un petit quelque chose, là. Bon, allez. Moi, les gars, je pars au taf. Non, attends, ça, on va le remettre là, quand même, parce que c'était bien. Ah, elle était en train de bouffer, en plus. Merde. Bon, ok, déjà on commence là-dessus. Le bouquetin. Le caillou volant. Non mais les pierres qui volent, on s'en fout, c'est juste, c'était juste pour tuer personne. Je vais te faire une petite... Là en fait je te fais une petite montagne. Je vous explique pour ceux qui ne seraient pas architectes. Honnêtement je pense que ça va être très stylé. Et en fait je vais faire un petit passage dedans. Ça va être assez incroyable. Shaitan, merci à nouveau pour les 5 subs offerts, merci beaucoup mon pote, hein. Il est arrivé aujourd'hui, il s'est dit, vas-y, je balance du sub. Ah, bonne idée. Tu as pas une grotte giga grande non plus, juste une belle petite grotte. C'est normal si vous trouvez ça moche, hein. Juste, le dites pas à chaque fois que vous trouvez ça moche. Je vais mettre la musique du jeu, en fait, qui est bien plus agréable que tout le reste. Ça, c'est une grotte un peu bancale, mais... Alors là, comment je fais un trou dans la grotte? Parce qu'il faut qu'il passe quand même. Tout est prévu, hein. Vraiment, ne vous en faites pas, on a...
Ok. C'est moche. Oh, fermez-la un peu, là, putain. Incroyable, là. Non, mais je dois vous le dire, attendez. Encore une fois, hein, ils ont honte de vous, hein, les gens qui regardent sur Domingo Replay. Hein. Sur Domingo Replay, moi, j'ai une communauté de gens qui m'encouragent à être de plus en plus créatif. Alors que vous, vous détruisez ma créativité. Voilà. Je vous le dis. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte, mesdames et messieurs. Bon, alors là, si je creuse comme ça, je sais plus exactement comment faut faire. Je pense qu'il faut que je mette plus de hauteur encore. Moi, je suis là, je me donne. Je nourris votre addiction. Après, vous me dites que c'est moche. Après, vous me dites que c'est moche. Là, c'est juste incroyable ce qui va se passer. Vous voyez un peu le tunnel sous la Manche, tout ça ? Bah, rien à voir. Beaucoup plus beau. Ok, on est parti, on va forer ! 90% de forage ! On percute ! Je percute fort, là. Pousse-toi, toi. On dirait un anus. Ouais, alors, tu verras, si t'observes bien, si t'es créatif, tu pourras penser que les montagnes, c'est des pénis, aussi. Et normalement, juste après, t'entres en collège. Voilà, c'est l'étape de la vie qui se passe comme ça. Alors, comment... Attendez. Parce qu'en fait, faut que je puisse rentrer. Mais j'ai pas l'accès à ZQSD, là. Non, mais là, c'est une gigagrotte. C'est une caverne. C'est une caverne. Oh, est-ce qu'on va retrouver le bout? Oh, j'ai l'impression d'être dans la grande évasion. Oh putain, faut ressortir de l'autre côté, faut couper les fils. Belle ref, la grande évasion. Meilleur film. Oh! Oh! Incroyable. Oh bah, ah non, je suis au-dessus. Incroyable! Incroyable! Une grotte ou un tunnel? Un tunnel qui contient une grotte. Eh ouais. Alors, attendez. Bonne idée, Domingo, la divinité. Attendez, je vais lisser un peu, là. Je dois faire quoi? J'aplanis ou je lisse? Oh, cette petite musique détendante. Ah, faut que je lisse? Merde. Je lisse, alors. La merde, le lissage. Attends, par contre, c'est chiant que... Ah si, c'est bon, en fait, je peux. Je dois lisser un peu trop fort. Enlève l'herbe longue. Oh ouais, mais t'inquiète, on va tout faire. Ok, parfait. Là, ce que j'aimerais bien... En fait, c'est parce que là, je suis là, du coup. Et en fait, c'est ici que je vais faire... Ok, là, je vais faire une montagne un peu plus grande. Vous en faites pas, ça a prévu d'être moche au début. Et très rapidement, vous allez tomber amoureux du truc, normalement. Alors, c'est normal si vous n'êtes pas encore amoureux du truc. Mais vous pensez qu'un humain peut rentrer là-dedans? Vu du dessus, c'est dégueu. Mais c'est parce que c'est comme Bob Ross. Tu sais, au début, c'est un peu chum et... Et ensuite, c'est beau. Mais pourquoi ça se referme, là? Je veux de l'ouverture, moi. Ils vont sauter la clôture. Non, parce qu'ils vont pas en haut. Eh, vas-y, faites-moi confiance, ok? Vas-y, on dit que là-dessus, vous me faites confiance. Ah, bon, je passe au-dessus. Non, mais ça va quand même marcher, hein, vous en faites pas. Faites-moi vraiment confiance. Parce que jamais, vous me faites assez peu confiance, généralement. Ah, c'est chiant, par contre, ça, ces trucs caméra-là. Et en vrai, je vous ai assez peu déçu, hein. Dans ma vie de streamer, qu'est-ce qui a pu vous décevoir? Ah non, rien. Dites rien, ça serait cool. Très peu de confiance de mon côté. Ah merde. Et ça serait pas bien d'avoir un peu de lumière, justement? Bon,
Ah. Ah. Bon, après. Allez. Allez, c'est parfait. Ça sert à ça. Comme ça, ça fera un petit peu de luminosité. Pas du tout. Non, mais là, je me suis mis dans un truc aussi. Hein. Genre, en vrai, il faut peut-être plus de largeur. Il fallait peut-être plus de hauteur, tu vois. Il fallait peut-être que je continue à creuser, même là. Et ouais, il faut que je creuse en hauteur aussi. Bougez-vous, bougez-vous. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est ça que j'avais pas bien fait. Oh non, ok, d'accord. C'est pas assez haut, c'est pour ça. Je pense vraiment que je suis pas mal, là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Je me trouve, honnêtement... assez sensé dans mon geste. Voilà, c'est un vrai petit passage. Je vous le change, parce que sinon, moi, je vous connais. Vous allez tout de suite être en... Oh, nou, 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 nou. Vous voulez quoi, de la terre à l'intérieur? Je peux tout vous mettre, moi. Ah, par contre, c'est assez chiant, le... Bon, vas-y, un peu plus grand quand même, quoi. Pas... Oh, le forcing. Là, là, je lisse. En vrai, c'est pas mal. Non, mais je vous rappelle que le souci de mes bêtes, c'est qu'en fait, elles étaient apeurées. Et elles avaient pas d'endroit où se cacher. Genre, j'ai l'impression que là, vous voyez que... Vous avez une vision de braconnier. Ça me fait mal de le dire, mais j'ai l'impression que vous êtes des braconniers. Voilà. Vous êtes dans une mentalité de braconnier. Je sais que ça vous fait mal, hein. Ah, mais là, faut que j'aplanisse, en fait. J'aplanis jusqu'à la surface, là. Exactement, mon frère. Alors ça, c'est un peu chiant quand ça fait ça. Lisse depuis l'entrée de ta grotte. Et ensuite, là, je lisse comme ça. Ça refait la même merde. Le lissage, c'est de la merde. Non, parce que sinon, c'est magnifique. Hein. Sinon, honnêtement... Bon. Là, il y a une petite excroissance qui s'est créée. Mais rien de grave. Rien de très grave. Voilà, on rebouche. Non, honnêtement, c'est pas mal. Parce qu'en fait, là, l'idée, c'est que du coup, il y aurait ce giga truc. Ah, mais non. Si je fais ça, ça va dépasser de l'autre côté. Est-ce que, si je le rentre un peu, genre comme ça. Ah, non, me dis pas ça. Oh, c'est terrible. Ah, oh, c'est un échec cuisant de mon côté, là. Non, mais du coup, je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre de ce côté-là. Là, j'ai de la roche. Parce que sinon, c'est trop grand. Parfait, ça. Merde. Non, mais la caméra n'avait pas prévu qu'on fasse des trucs aussi artistiques. Là, je vais chercher la petite pierre. En vrai, c'est très propre, hein. Ça me surprend de faire un truc aussi cool, là. Là, on va mettre des petits trucs. Tu vas tuer tes brebis avec tes cailloux. Là, juste, l'entrée. Comment ça se passe? Putain, parfois, c'est chelou, tu peux pas... Le jeu t'autorise pas à zoomer d'une certaine manière. Là, faut juste que je lisse un peu. En fait, moi, je veux que ça soit... Mec, c'est incroyable. Juste de la bonne foi. Là, faut que je lisse un peu plus aussi. En fait, c'est ça. C'est de la merde, en fait, parce que... Du coup, là, je veux... En fait, je veux juste lisser là, la descente qui se casse pas la gueule.
C'est juste ça que je veux faire. Juste un tout petit peu. Voilà, c'est magnifique, une toute petite descente. Toute douce. Toute douce, cette descente. Une descente à 20%. Toi, je veux que ma brebis, elle sente même pas la descente, là. Enfin, ma gazelle, ou... ce que j'ai fait, là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Autant de réalisme, autant de détails. Là, c'est... Non, mais c'est... c'est émouvant. Honnêtement, c'est émouvant. C'est vraiment le bonheur. C'est le bonheur pour elle, quoi. Là, je vais leur mettre des petits couchages habitat. C'est pas très lisse. Mon seul souci, c'est que c'est pas très lisse. Et du coup, pour que je lisse tout, il faudrait que je fasse parabotté, aplanir jusqu'à la surface, surface que je nomme ici. Rien n'est très droit, en fait. C'est pas mal, hein? Là, en vrai, c'est propre, hein? Tout le monde va être très bien, là. Là, j'ai l'impression que... ça fait chier, ça. On comprend pas, le truc de lissage. Utilise l'icône où il y a une maison dessus. Hein? Aplanir jusqu'aux fondations. Ah, c'est mieux celui-là? Ah oui, c'est mieux celui-là! Eh mais oui, c'est mieux celui-là! Mais là, mec, je suis en... très chiant. La petite descente un peu difficile encore. Juste cette petite descente. Ah, c'est de plus en plus difficile. Ah, c'est bon, ça s'ouvre! Oh, sublime. Sublime. Non, un peu trop, là. Un peu trop. Vas-y, fous-moi de l'herbe, là. Là, vous pensez, elle se casse la gueule ou pas, là? Moi, je pense qu'elle se casse pas la gueule, hein. Je pense qu'elles sont bien, là. Je pense qu'ici, elles sont pas mal, hein. Ici, juste parce que je suis un forceur, je vais me faire un petit kiff. En fait, je creuse pas assez. Non, c'est trop ça. C'est pas ce que je voulais là. C'est vraiment pas ce que je voulais là. Je voulais juste leur foutre un peu d'eau, je me retrouve avec... ah, je me retrouve avec tout ce que je voulais pas, quoi. Vraiment le cauchemar, là. C'est relou, l'herbe. L'herbe est assez chiante, hein, à chaque fois qu'on fait un truc. Bref, ça, on a compris. Lance. Oh, rire. Je pense qu'on est presque bon. Je suis aux finitions, là. Je vous finis rapido, là. Je suis un forceur, je vais leur mettre juste de quoi... l'échouiller un peu d'eau. Ah. Bon, on n'a pas besoin d'eau dans une grotte, hein. Ils nous emmerdent aussi. Allez, on était très contents. Bon, alors qu'est-ce que je leur mets là-dedans? Là, il pouvait juste y avoir un petit peu d'eau et elle m'emmerde. Il m'emmerde juste là, je voulais juste foutre de l'eau ici. Vas-y, c'est bon, c'est fini ça. Je vais saouler, moi. Ah, ils vont comprendre. Parfait. Ok. Herbe courte partout. Là, je vais leur foutre un... oh, mais on les met bien. Un couchage habitat moyen juste là. C'est parfait. Un petit, si jamais il y a des facochères qui veulent passer. C'est important aussi, les petits facochères. Le petit facochère. C'est magnifique. C'est sublime.
Je viens de créer un espace de bonheur et de bienveillance avec un petit peu d'air qui passe ici. Alors, je peux pas vraiment vous le montrer. Juste un tout petit peu d'air. Il voit le jour ici. C'est peut-être pas ouf qu'il voit le jour. Non, on leur coupe le jour. On leur coupe le jour parce que c'est pas ce que tu souhaites dans une grotte. Tu souhaites pas voir le... Si, c'est bien. Si, c'était... Merde, c'était du génie, putain. J'avais pas compris que j'étais un génie. C'est bon, je suis un génie. Je suis un génie. Ok, sublime. Maintenant, là, il faut juste rendre ça un peu plus joli. Alors, pour rendre ça un peu plus joli, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Je vais vous mettre ça bien terreux, là. Ah, ça met à travers. Parce que le but est pas forcément qu'il monte, hein. Même pas du tout, tu vois. Est-ce que c'est forcé si je fais une entrée là? Le jeu peut considérer que les gens voient tes animaux par le trou, donc anxiogène. Oh. Oui, c'est forcé, ok. Non, mais faut que vous me le disiez de temps en temps. Faut que vous me le dites. Parlons-nous. Ok, là, c'est bien. Tu vois, justement, là, cet environnement un peu aride. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Boum. Je vais foutre full pierre, là. Là, je suis en pierre, là-dessus. Le terrain va plus être bien pour tes bêtes. Si, si. T'inquiète. T'inquiète, je les gère. Rocher de savane. L'idée. À deux doigts d'inventer le menhir. Je fais mes tests. C'est pas la pierre que je souhaitais. Attendez, parce que je crois qu'il y a encore un peu d'espace ici. Eh ouais. Eh, j'allais pas les laisser comme ça. Hein. Mes pauvres petites bêtes. Plus jamais les humains vous embêteront. Voilà. C'est bon, ça. Non. Oh non, j'ai juste mis ce clic. Laissez-moi le droit au misclic. Allez, hop là. Parfait. Ça, c'est une pierre que je connais bien. C'est une pierre qui généralement pousse... Enfin, ça pousse pas, mais... Une pierre qu'on voit beaucoup à côté des bambous. Et boum. Oh, il a offert 20 subs. C'est l'utilisateur anonyme. Non, pas des bambous, des baobabs. Merci beaucoup, l'utilisateur anonyme. Bienvenue à tous. Vous pouvez le remercier. Et je crois qu'on est... Ah bah non, en fait. Pardon. On n'est pas du tout 6000 subs. Mais on s'en rapproche. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà. Je te le dis, je n'aurais pas dit mieux. Et là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à foutre en plus. Il n'y a pas beaucoup de plantes arides. Idée, on valide ou on valide pas. Mais idée. Vas-y, fais pousser ton truc, là. Bon, la merde, là. Non, pas ça. Tu vois, il y a toujours parfois des petits coins d'herbe incompréhensibles. C'est pas que de la roche, c'est parfois des petits trucs, tu vois. Oh, 10 subs offerts en plus par un autre subeur anonyme. Merci énormément, Sremanid qui offre 5 subs. Bienvenue à tous. Merci énormément pour tous ces subs.
Si, si, parce que tu vois, c'est pas un terrain. C'est un terrain, on comprend pas trop, tu vois, ce qui s'y passe. Ça, c'est beau, trop de subs. Eh, c'est incroyable. Ah, bah, ça a pas actualisé. On n'est pas 6K? On est peut-être 6000 quand même là. Attendez. Je vais voir. On est 6010! Oh, merci énormément! Bon, on n'a jamais été autant. Bon, il n'y a pas si longtemps, on n'a jamais été autant de 5000. Et là, on est maintenant à 6000. Bah, merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir, ça. Merci énormément pour tout le soutien. 6000 subs, c'est quand même énorme. Il y a 2-3 mois, j'étais hyper heureux de dépasser les 3000 subs. Et on n'avait jamais fait 3000 subs. Du coup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour tout ça. Merci, ZTXUZ, pour ce joli Prime. Merci beaucoup, tout le monde. Bienvenue au nouveau. Oh, c'est beau, quand même, hein. Ok, là je veux que ça soit vraiment vert. J'ai envie que ça soit, tu sais. Ah, ça respire le vert là. Ça respire le vert, ça respire le. La petite antilope qui s'est pas sentie bien dans sa journée. Trop de stress au taf là. Boum. Là, elle se régale maintenant. Et ici, je la décore en full vert. En mode là, c'est l'arche de Noé là. Oh, c'est dégueulasse ça. C'est pas grave. C'est ma grotte. Oh, c'est ma grotte. Oh, c'est ma grotte. Bon, j'ai un peu forcé, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il se sent bien là avec ça dans le coin? Stress. Ah, mais lui, il est stressé, c'est normal. Lui, il est tout le temps stressé, lui. Bon, bah, il a l'air d'avoir ce qu'il faut. Je vais leur foutre ici de quoi boire. Oh, mais non, c'est trop mignon. C'est gars, mais regardez ça, regardez le bonheur. Regarde le bonheur. Et il y a le mec qui passe. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux, mais pose-toi, pose-toi, ma louloute. Pose-toi, j'ai fait ça. Mais qui a amené ça là? Hein, dis à ton frère de ranger ses affaires là. Hein. Hein, je veux bien être cool avec vous. 10 subs offerts de plus, merci énormément. Je vais leur mettre un petit truc pour boire. Oh là là, mais il y a l'autruche. C'est le combat des mondes ici. Oh, il a poussé le truc! Mais ils vivent tous heureux! Et elle se barre en courant, la petite autruche. Et il y a le gnou qui attend dehors. Non, c'est magnifique. Honnêtement, je vous le dis, c'est magnifique ce que j'ai fait. Je pensais que ça allait être à chier. Animal laissé trop longtemps dans une caisse. Oh, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, parce que j'ai refait ça un peu aussi. Voilà, ouais, il y a bien-être faible. Ouais, mais c'est parce qu'elle stresse. Mais ça, c'est pas grave, elle va pouvoir aller. De temps en temps, il stresse, mais là, je leur ai fait une grotte, je leur ai tout fait. Hein. Ça, c'est vraiment dégueulasse, ça. Hein. Ça, c'est vraiment là, honnêtement, ce petit truc. Je vais le mettre comme ça. Mais là, ça, c'est à vomir, ça. Hein. L'eau. Mais je leur mets de l'eau? Non, c'est magnifique, hein. Honnêtement, c'est sublime. Ce que j'ai fait là, c'est sublime. Il y a des bouchons sur le pont. Oh non, il y a le facochère qui hurle. C'est fou d'être. Il y a des visiteurs qui viennent, qui sont contents. Oh, c'est magnifique. Merci, Rem Rem. Une petite mare au sommet. Oh! Magnifique cette idée là! Non mais l'idée est belle! L'idée est très belle! Avec une cascade. Ah là on force, non? Là on force, on force. Forcing guys. Désolé maintenant j'ai une grosse commu anglaise. Oh non, hurle pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Recherche vétérinaire terminée. Qu'est-ce que c'est? Le botulisme. On sait soigner le botulisme maintenant. Si ça, c'est pas beau quand même. J'ai essayé de foutre full soigneur, pas de centre de recherche accessible.
Attendez, faut que je foute plus de... Ah ouais, merde. Il faut que je mette des trucs de service. Ah, ça c'est le truc que j'avais pas fait hors live. En fait, j'ai rajouté des vétos et tout hors live pour qu'on s'emmerde moins. Cabinet vétérinaire. Oh, je vais tout un petit cabinet vétérinaire, toi. Tu vas te régaler, mon ami. Boum. Et ça, je vais le mettre dans une petite zone de travail. Si, bien sûr, vous y voyez pas de soucis. La cascade. Non, mais la cascade. Moi, je me suis un peu... Enfin, pas je me suis un peu toujours demandé, mais on est d'accord que pour que la cascade, il y ait l'eau qui descende, il faut qu'il y ait... Genre, limite, un fleuve en haut. Sinon... It's a problem. Enfin, un minimum. Parce que s'il y a pas d'eau, l'eau peut pas tomber éternellement. Non, mais ils ont pas envie de ça. Ils sont dans la savane, ils sont pas dans la cascade. Non, on va pas mettre de cascade. Juste, je vais faire un autre petit truc, moi. Je vais faire ce qu'on appelle de l'eau croupie. Petite eau croupie. Là, j'aurais pu faire de l'eau croupie, là. Il m'embrouille. Petite eau croupie des Fafa, là. Bon, on va passer aux tortues. Je sens que je vais rager. On va passer aux tortues. Alors, non mais eux, ils sont bien. On va laisser moi, on va faire tourner un peu. Allez, on passe aux tortues. Allwister, merci beaucoup. Merci Vaskensas aussi pour le Prime. Recherche vétérinaire terminée. Qu'est-ce que j'ai terminé comme recherche? Monstre de Gila. Ça veut dire que je peux améliorer ça. Attends, eux, je peux leur mettre des meilleurs trucs dans leur bail. Habitat. Et qu'est-ce que je peux mettre pour le monstre de Gila? Ah, mais je peux pas leur rajouter des trucs. Alerte. Avec quoi, alerte? Pourquoi alerte, là? Pourquoi tu m'alertes, là? Installation. Optimisation. Bah, vas-y. Coche toutes les... Oh, il y a des nouvelles cachettes. Oh, faut choisir quelle cachette je mets. Oh, nulle, cette cachette. La grande, là. La grande, elle est bien. Oh, je mets full cachette. Oh, bah, je mets full cachette. Oh, j'ai pas encore fait les recherches des autres cachettes. Oh, bah, je leur mets tout. Oh, je les régale. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'animal qui crève, là? Non, je pense que de temps en temps, ils auront un peu de stress. Je leur ai fait ici un petit truc aussi. Mais en fait, je vais pouvoir ajouter les buffles. Il va y avoir les buffles qui vont pouvoir être ajoutés. De temps en temps, ils vont pas bien, ils sont un peu stressés. Puis ensuite, ils vont à un autre endroit où ils sont moins stressés. Donc honnêtement, tout se passe bien. Je peux mettre des buffles. Vous voulez des buffles? De nombreux visiteurs pensent que le billet est bon marché. Oh, mais je dois encore augmenter le prix. Oh, ça devient difficile. Crocodile marin et les murs, ils ont des nouveaux trucs. Encore des recherches terminées? Je dois encore monter le prix? J'ai dit des animaux? J'ai dit ça vraiment? Oh, il y a du facochère qui hurle. Oh, mais là c'est incroyable, là je suis en... C'est parfait. Bah je pense que... Ah, vous, les buffles, vous avez pas... Parce qu'en fait les buffles, ils peuvent vivre avec eux. C'est pas cool d'avoir un gros buffle? Venez, je mets 3 buffles. Vas-y, on se met 3 buffles. Eh bien, on se met 3 buffles. Vous ne mettez pas les buffles. C'est archi cool, un buffle. Moi, j'ai jamais eu d'embrouille avec des buffles. Il y a déjà des gnous. Ah, comme ça, il y a des buffles et des gnous. T'as trop d'animaux, déjà. Mais non. Ils vont niquer les barrières en verre. Hein, ça casse les couilles, les buffles. Immunité. Oh non, mais là, c'est du buffle malade, là. Oh non, mais là, faut agrandir l'enclos. Ah ouais, non, bon. C'est vrai que les buffles, ça a toujours été surcoté. Hein. Ça veut combien, ça? Ah bah, il y a le buffle qui est déjà là. Ben non, c'est une petite vache. C'est un petit veau. Groupe. Oh bah, il est tout seul.
Oh mais regardez-le. Oh, il va enculer les clôtures. Eh, défonce pas le... Tu vas bien? Ça va? Bah ouais, c'... regarde, elle est contente. C'est genre une vache. Je vais lui trouver des potes. Ah bah y'a l'autruche! Combat pour le statut d'alpha. On a un combat, on a un combat! Où sont-ils? Oh, c'est les petites gazelles. Là, là, ici, ici, ici! Oh, ça se bat bien! Oh bah putain, ça c'est fini. Tabansi. Oh, t'es blessé. Bon, je te relâche. Oh, je l'ai relâché blessé. Eh, bien joué, toi, t'as gagné. Ah, c'est bien. Ah, t'es un gagnant! Ah, c'est bien! Bon, je l'ai relâché blessé. C'est possible qu'il soit mort. C'est possible. Mais je lui ai fait un petit bandage avant. Oh, j'ai cru qu'il était mort, lui. Bon, attendez, c'est le buffle, là, qui voulait un pote. Oh, et le buffle, il... Ah non, c'est pas un buffle, ça. Recherche vétérinaire terminée. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, j'en fais trop, là. Grenouille vénéneuse. Des améliorations pour les grenouilles. Et il y a les lémures aussi, hein, qui ont des améliorations. Et je crois qu'il y a les crocodiles aussi. Non, mais là, on est vraiment au top, hein. Qu'est-ce que c'est, l'amélioration, là, pour installation? Litière de feuilles. De la merde, hein. Oh, le buffle. Titi Layo, bien-être faible. Ah, parce qu'elle est stressée, parce que c'est un gosse. Je peux pas encore la relâcher. Normalement, j'ai des soigneurs qui sont quasiment tout le temps là, qui mettent à bouffer et tout, mais c'est vrai qu'il m'en faut limite plus, hein. Mais j'ai genre vraiment beaucoup de soigneurs, hein. Mais on va voir s'ils ont faim à des moments. Il y a des gens là-dedans. Oh, ils ont dormi dans la caverne. Oh, putain, la petite autruche. Elle a dormi juste à côté du gros gnou. Groupe équilibré. Alors merde, le buffle. Le buffle avait besoin d'un bail, là. Bon, après, c'est bon pour cet enclos, hein. Après, on sort de l'enclos, c'est fini, là. Ah bah, y'a... Si, j'ai un buffle dispo... Ouais, mais il va tomber malade. Il est tout petit. Je préfère pas lui mettre de buffle que lui mettre un buffle de merde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... C'est parfois pire, quoi. C'est parfois pire. Alors, les crocos, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont... Ils commencent à s'aimer ou pas, là? Optimisation, c'est un peu léger, hein. Optimisation alimentaire, ouais, ils se font un peu chier, quoi. Est-ce que ça va pas commencer à ken un peu, là? Partenaire! Putain! L'homme qui a bouffé le fac... Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ils sont ensemble, hein. Il est à 0% de fertilité, mais je crois que Rara, avec l'expérience, peut lui donner, justement, quelque chose en plus. Ah, merde! J'ai l'inspectrice qui visite. Bon, ça va bien se passer. Animal qui est en train de crever, mais... Espèce, crocodile. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté pour... Un ballon de foot. Oh! Brutus! Brutus, je suis débarqué! Oh! Eh oh! T'es vivant, Brutus? Y'a un ballon. Peut-être que l'autre, il veut jouer. Mais il dort. Rara, y'a un ballon! Il flotte, le ballon? Oh oui! Oui! Oh oui, la belle possession! Eh, beau shoot, Rara! Encore! Tourne autour, le passement de jambes. Ah ouais, non mais ça... Pas de centre de vétérinaire. Vous êtes affilié à qui, vous? La formation de vétérinaire annule leur mission de recherche. Ouais, c'est pas grave. Ah bah, elle est dans Brutus et Tortue, mais parce que... Eux n'ont pas non plus de cabinet vétérinaire.
Je vais te rajouter un petit cabinet vétérinaire de chaque côté. Comme ça, au moins, ils vont pas me gaver. Là, il va y en avoir dans tous les côtés. Parfait. Je vais juste assigner. Ça, c'est des trucs un peu chiants que j'ai fait en live. Bon, là, il nous faut juste de la nouveauté, là. Vivarium, modifier zone de travail. Je te rajoute ça, mon frère. Le Brutus et Tortue. Je te rajoute aussi ça. Et on est bon. Ok, top. Là, on est assez bien. C'est de la recherche. Ouais, je sais bien être faible. Commence à avoir l'habitude. Recherche terminée. Ah, mais ça, c'est les fièvres, ça. Ça, c'est les trucs. Et juste les petits lémuriens, là, ici, vous avez des nouveaux trucs? Ah, mais les lémuriens, ils vont mieux, hein. Ils allaient pas très bien pendant un temps. Je dois l'avouer. Recherche mécanique. Oh, je vais avoir des nouveaux emplois. Pas de centre accessible. Elle commence à m'emmerder, elle. Commence à m'emmerder sévère, là. Je dois avouer que là, ça, je suis à deux doigts de... Selena Vasquez, là, va peut-être pas faire long feu hein, dans le zoo. Hein. Ah, moi, j'ai des gens qui veulent nous voir les tortues. Qu'est-ce qu'on fait? Eh, encore une... Oh, c'est beau. On bosse, hein. Là, on veut voir les tortues et vous me restreignez. Vas-y, je te mets avec, voilà. Là, au moins, t'as des trucs, t'as des cabinets vétérinaires, là. Commence à mettre des caméras pour éviter le vandalisme. Oh, ils sont tellement choux. Qu'est-ce que je peux mettre en habitat pour vous, juste? Après, je dois aller vers des nouveaux trucs, là. Sinon, on s'en sortira jamais. Les murs. Qu'est-ce qu'il y a en les murs? Boîte en carton. C'est ça que je peux offrir de mieux à les murs? Une boîte en carton? Bon, bah, écoutez. Tenez, hein, si vraiment vous y tenez. Voilà, si ça peut vous rendre un peu plus heureux, moi, y a pas de souci. C'est un plaisir de vous rendre heureux. Qu'est-ce que je développe de plus, là? Bon, ça, c'est toutes les maladies, là, qu'on fait, là. En gros, on va farmer un peu tout ce qui est... habitat! J'ai un nouveau truc pour les habitats. Je peux faire... Alors, comment ça marche? Je peux faire des nouvelles clôtures, genre? Je recherche à fond, là, des trucs, hein. Variroux. Ah, il était cassé. Ok, parfait. Mets des caméras. Ah mais là on a trop de trucs. Venez on fait les tortues là. Parce que les tortues, on verra pour les hippopotames nains comment on fait. Mais centre de recherche, pas cabinet vétérinaire. Ah ils voulaient des centres de recherche, pas des cabinets vétérinaires. Ah depuis tout à l'heure je mets un mauvais truc. C'est ça que vous me dites là? Ah ouais. Ah mais je charbonne hein, niveau recherche. Hein. Clôture. Ah bah j'ai quoi en clôture du coup maintenant? Ouais. Alors ça sera mieux après quoi. C'est peut-être mieux pour ici. En vrai. Ah, ça peut être escaladé. J'ai rien dit. On arrête. Bon, allez. Ah, il y a toujours pas le... Un buffle. Ah, voilà, il leur faut un mâle. Un beau buffle. Ah, il va bientôt canner, lui. Ça, c'est une belle bufflette, ça. Hein. Ça, c'est une sublime bufflette. Hein. Je vais l'adopter. Je l'envoie dans le zoo. Et du coup, je les mets avec le buffle mâle. Je vais les laisser ken un peu. Avant qu'il meure, il a le droit, quand même. Ok, parfait. Là, on est bien. C'est bon, on stoppe. Ok, on stoppe cet enclos, là. Recherche vétérinaire terminée. On n'arrête plus, on n'arrête plus. Oh, la science. Oh, encore les lémures. Oh, on améliorera un moment, on améliorera un moment. Peut-être juste les monstres, là, on peut améliorer. Oh, on a envie d'améliorer tout, là. Optimisation 2, recherche non définie. J'avais l'impression d'avoir recherché des trucs, pourtant. Je me suis senti un peu eu, là. Il y a trop de trucs à faire. Eh, on est bien, hein, on progresse, hein, quand même, non? J'ai l'impression qu'on progresse, moi, là. Ah si, les monstres, là. Qu'est-ce qu'on a fait, du coup? Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai l'impression qu'on se rend pas bien compte de ce qu'ils ont, là. État des recherches. J'ai développé une anecdote? Concrètement, j'ai recherché pour savoir que dans la nature, le monstre ne mange que 5 à 10 fois par an et hiberne tout l'hiver. Bon, c'est worse. On est content, on apprend. Tu perds des sous.
Non, non, ça va, c'est que j'ai beaucoup investi en vrai. C'est que j'ai beaucoup investi et Ah, on perd contre la Moldavie là? Ah ouais, Rem, c'est super, un petit enclos ouvert au public avec ce genre de... avec ce genre des singes, ça, ça te tente pas, ça pourrait être bien. Mais pas, pas pour l'instant là. Bon, alors. Nouvelle clôture. On se balance une clôture qui ici va être en vert. Non, qui ici... Si, qui ici va être en vert. Habitat, non, c'est clôture. Là, ça va être les... Variru va être adulte. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il va pas bien, ok. Là, ça va être le... Bah non. Qu'est-ce que tu fais, frère? Voilà, un effort. Ça va être les tortues, là. Là, je vais envoyer des tortues, là. Il peut pas tourner un peu plus? Je te mets sur 5 mètres. Tu peux tourner sur 5 mètres? Je pense sur 5 mètres, tu peux peut-être tourner. Voilà, parfait. Merde. Mais là, je pourrais gratter de l'espace, hein. Tu as débloqué des structures pour les murs. Attendez, les ondes. Là, je peux un peu plus l'orienter, en fait. Voilà, j'ai envie de l'orienter vraiment au max. Là, il y aura juste une boîte de dons. Ça, c'est parfait. On va se faire tortue, hippopotame, nain. Et ensuite, le prochain gros vrai animal... Ça va être Qu'est-ce que je fous là? Ça va être génial ça. Mon prochain gros vrai animal. Est-ce que je les ferme là? Les lions après. Après va y avoir des lions, ouais. C'est exactement ça qui va se passer. Sinon je fous ça là. Non mais c'est pas ça. Ah c'est trop chiant quand ça bug comme ça. Ça c'est trop chiant quand... Quand c'est un peu long là. Comme ça, ça peut être cool. Pas hyper esthétique hein, quand même. Pourquoi pas mettre de l'eau à la hauteur de la clôture? On va voir. Ils ont besoin de quoi du coup là? Qu'est-ce que j'ai fini encore? Crocodile marin. Oh, un nouvel élément. Vous jouez avec le ballon? Oh, ils ont dû taper dans le ballon. Va savoir, ils vont faire des gosses un moment. Citrouille sanglante gelée. Ah, c'est vraiment ça, le crocos en amélioration? D'accord. Nice. Bah, dans ce cas, je vais te rajouter la citrouille sanglante, hein, frérot. Brutus a des goûts... Brutus a des goûts pas évidents. Mais pourquoi pas? Vas-y, il va se gratouiller là. Il va se gratouiller là. Et une bonne citrouille sanglante, là. La bonne citrouille sanglante. Est-ce que t'es heureux, ma petite gueule? Qualité du dernier repas, pas ouf. Mais en optimisation et tout, ça te plaît, genre, là où t'es? Optimisation 100%. Il est au-dessus. Il est à 262 sur 120. Il aimerait être là, je le mets au-dessus. C'est dingue. C'est ouf, quand même. Un panneau d'information est cassé sur le pont. Ah, oh, merci bien. Ça, tu peux pas le faire automatiquement, t'es genre réparé et tout. Parce que j'avoue que... Recherche vétérinaire, mais on arrête pas d'avoir des trucs qui finissent, là. En vrai, j'ai un vrai bail. Il va me falloir des portes, ouais, pour les tortues, vous avez raison. Oh, des gros lions, je veux des lions, là. Tortue, c'est où les tortues? Tortue géante. Galapagos ou des Seychelles, on met 230 mètres carrés. Elles peuvent pas vivre ensemble, à tout hasard? Ah, ça aurait fait plaisir. Il y en a plus que 1000 des Galapagos. Devant les facochères, ils sont trop. Eux, ils peuvent être 4. 4 aussi. C'est 4 quoi qu'il arrive. 1 mètre de long, 1 mètre 20 de long. 120 ans.
Galapagos, hein, je pense, on va prendre. Hein. Et là, on va se mettre une petite boîte de dons. Qui, honnêtement, est assez gratos. Ok, je mets une petite clôture, je mets une petite porte. Et ils ont besoin de rien, les tortues? Ça serait trop lourd d'avoir une partie de l'enclos immergée. Non, mais je pense que je vais faire ça pour, là, pour couper, en fait, entre hippopotame nain. Je vais mettre de l'eau et je vais couper en deux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que l'eau, ça sera la même, mais du coup, l'enclos sera dans l'eau. Il bouffe la citrouille. Oh, il mange! Oh, il la graille! Oh, c'est Rara. Là, il va bien aimer, Brutus. Regarde, Brutus, il mate depuis l'eau, là. Et en mode, toi. Toi, je t'apprécie, toi. Elle serait pas enceinte bientôt, là? Oh oui, on va prendre un peu d'eau, on est bien, on est bien. Fais les tortues et les nains ensemble. Non, on peut pas, il y a des trucs qu'on peut pas faire ensemble. Pourquoi bien être faible, Ricardo? Vivarium. Il est dégueulasse. Oh bah les gars, soignez-le, là. Qu'est-ce qu'il a, son vivarium? J'ai peut-être pas assez de gens, Encore un truc. Monstre de Gila, j'ai full recherche, là. Encore un combat? Combat dû à la surpopulation. Oh non, merde, ça se tape entre facochères. J'ai combien de facochères? J'en ai 14. Je vends des facochères. Je vais vendre des facochères, attendez. Je vais vendre des facochères parce que là... Je vais les stériliser. J'en ai stérilisé pas mal. Je pense que je vais stériliser le restant, là. Facochères, facochères. Mais j'ai stérilisé, déjà. J'ai stérilisé les mâles. Ah bah c'est parfait, du coup, maintenant, on est bon. Oh, c'est Citambelle qui s'était fait bouffer. Là, elle va être relâchée. Oh, elle est un peu flinguée aussi. Les 750, là, ils sont flingués. Ah, mais il va bientôt mourir, lui. Hein. Aquila, là, on sent qu'il est au bout de son voyage. Hein. Bon, on lâche ça dans la nature, déjà. 34. Vends les mâles. Bah, je les stérilise, les mâles. Eh, hey, y a 1680 personnes dans mon zoo. Hein. Comment c'est beau, en vrai. J'ai 1200 petites feuilles. Hein. Ça m'impressionne toujours que le soigneur puisse passer sans souci, quoi. Je parlerai de la vitre côté public qui serait immergée. Mais je pense qu'on en fera un moment un truc souterrain, tu vois. Un truc un peu souterrain. Mais des distributeurs. Attendez, on fait les tortues. Mais là, en vrai, je pourrais acheter des tortues et les mettre dedans. Tortue géante. Oh, elle est pas ouf. Ah, oh, c'est une tortue un peu flingos. Mais je pourrais avoir des girafes aussi dans mon autre enclos. Ah, elle est un peu flingos, celle-là. Ouais, le zoo a grave avancé, il est trop stylé. Oh, arrête, arrête, ça me flatte. Un tigre. Non, mais on a trop de trucs, là. Mais c'est bien, on avance à notre rythme, tu vois. Ah ouais, je suis un peu... Je pense que Louis, il est un peu flingué. Hein. Je pense que Louis, on va attendre qu'il y ait mieux sur le marché. On veut de la qualité, nous. Est-ce que j'achèterais pas... zèbre. Non, mais les zèbres, ils s'entendent pas avec tout le monde, en fait. Oh, il y a un gnou noir magnifique. Gold. Gold. Est-ce que j'ai mieux, ça? J'ai mieux que 1246 en gnou noir? J'ai 1500, mais j'ai du gnou, mais de qualité supérieure. Elle va mourir. Elle va mourir, mais elle s'est bien battue. Hein. Pourquoi lui, il est pas stérile, là? Vas-y, reviens dans l'enclos, toi. J'ai l'impression qu'il vieillit pas, sinon. Qu'est-ce que ça dit, là? Ah, oh, mais vas-y, on fera les améliorations après. On laisse le farm, là. Quantité de détritus élevée. Ah, oh, merde, faut que je... Bien être faible. C'est pas grave. Les gens se barrent un peu, parce que normal, ils veulent un nouveau truc, là, dans mon zoo. Tu m'étonnes. Ah, y a que Louise de dispo. Y a pas une girafe, du coup, je regardais. Oh non, y a pas de girafe. Y a pas de girafe. Oh, le gros lion, là. Oh, Chiumbo. Oh, quand on va avoir un grand lion, là, je vais lui mettre une colline. Et il hurlera. Gnou noir. Non, mais on a ce qu'il nous faut en gnou noir. Oh, je le prends. Non, mais elle est pas si folle. Ça fait quoi, en fait, doré? Ça fait quoi qu'il soit doré? Ça que je comprends pas trop.
Recherche vétérinaire. Mais les gars, on a compris là. Go le lion. Bon, en fait, il faut faire son enclos et tout avant pour ça. Ça qui peut être un peu chiant sinon. Mais là, déjà, je vais séparer en deux. La question, c'est de quel côté on va mettre les crocos. Tout ça, en fait, c'est un peu moche, quoi. On va mettre des hippopotames... Très bonne stat, le doré, fertilité, etc. Les points de succès. Oh, c'est quand ça bug, ça. Une meute de loups. Non, mais on va avoir, mais on peut pas tout faire d'un coup. Je pense honnêtement que... dans quelques temps, c'est possible que je sois encore dessus, hein, tu vois. Vas-y, je l'achète, le gnou, là. J'ai bien aimé, m'a convaincu. Moi, en fait, là, je veux des girafes, s'il y a. Comme ça, parce que les girafes, je vais pouvoir instant mettre dans le truc. Et je veux des tortues. C'est ce que j'attends, là. Et des petits hipponins. Ouais, mais Louis, il est flingué. Fertilité 17%, taille 17%, c'est qu'il est tout petit, en fait, Louis. Je le prends quand même. Bon, je le prends quand même. Vous savez quoi? C'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Actualise la liste. Ah oui, c'est pas bête, ça. Louis! Bienvenue chez toi. Au pire, on le relâchera, on le relâchera. On le relâchera après. Si, si, mais il peut y en avoir jusqu'à 4. On le fera faire un combat. Et si jamais il le perd, bah il s'en va. Ah, c'est dur hein, ici. Hein. Oh, il y a des pandas roux, il y a tout ça là. Oh, il y a beaucoup de choses. Hein. Oh, il est là. Louis va bientôt arriver. J'accélère pour que Louis arrive. Lis plus le chat. Lis plus le chat ou plus? Ou plus. Abri et structure d'escalade. Non mais là, je l'aimais méga bien. Oh, Louis. Les premiers pas de Louis à la maison. Oh, Louis, c'est ridicule. Oh, Louis. Combat. Oh, les facochères, ils se tapent. Louis, il veut quoi ici, lui? Optimisation. Il veut quoi dans son environnement, lui? Abri solide. Je m'étonne, y a rien. Toi, t'as besoin de quoi, t'as? Je sais pas trop de quoi t'as besoin. T'as besoin d'un peu plus d'herbe courte. Un peu plus de roche, peut-être. Je vais te mettre bien, mon Louis. Pousse-toi un peu, Louis. Voilà. Là, je vais te mettre un peu de terre. Un peu de roche par-dessus. Oh merde, j'en mets à côté du coup. Ok, là c'est bien. Non mais tu dois avoir chaud, Louis, là. Attends, je vais mettre pause parce que sinon il va mourir. Il te faut du sable, mon Louis! Mais t'es là, tu me demandes même pas, toi. Gentil comme il est, le bon Louis. Tu vois, comme ça, le sable... Là, je suis vraiment une merde, là. Mais je mets le sable près des visiteurs. Non mais là, déjà, c'est pas possible que ça fasse tout ça, là. Pas mal, ça. Là, c'est bon. Un peu grand pour des tortues. L'enclos est un peu dégueulasse. Hein. Là, j'ai tout à fait conscience que... L'enclos est un peu dégueulasse. Ouais, ouais, on est... On est conscient, là. Là, on le sait. Hein. C'est fort dans notre tête. Alors, est-ce qu'on va pouvoir échanger quelque chose? Pas tout de suite. Déjà, s'il est bien, c'est quelque chose de fantastique. Tu vois, il a pas besoin de grand-chose. Arbre pour fruits. Pas ouf, hein, cet arbre pour fruits. Je vais lui mettre une toute petite colline, ici. Il veut pas que je... C'est un peu grand, en fait, hein. Ça fait combien de mètres carrés? Il va savoir que je vais mettre deux trucs, en fait, ici. D'un côté, des Galapagos, de l'autre, les tortues de sécherelle. Enfin, de Seychelles.
Sécherelle. Oh, quel plouc. Mais c'est exactement ça que je vais faire, en fait. Si c'est suffisamment grand. 504 mètres carrés. Me dis pas qu'ils ont besoin de 240 et les autres aussi. Je crois que c'est juste ça, en fait. Je crois que c'est juste ça, mon pote. Je crois qu'elles ont besoin chacun de 240 mètres carrés. J'ai 504 mètres carrés en stock. C'est où? 230 mètres carrés. C'est... c'est Shrel, ouais, c'est Shrel. Mais Shrel, on est là, quoi. Excuse-moi, Louis. Louis, je suis désolé. Tu n'as pas mérité du tout. Alors, attends, parce qu'il faut que je fasse pile à la moitié, là. Attends, parce que... B carré égale A moins C sur 2. Là. Ah ouais, ouais, là, je suis bien. Je suis magnifique, là. Là. Là, c'est tout ça, là. C'est moi, ça. Boum. Clac, parfait, ça a pas marché. Sublime. Ne sois pas surpris. Un peu grand, peut-être. Oh, c'est droit en plus. Ça, c'est pas très bien foutu, ça. Ah, il me force à tryhard ma life, là. Ah non, non, c'est parfait. Ah, vous m'emmerdez, vous êtes si chiant, vous pouviez pas faire un truc. Vous êtes relou, vous êtes relou, vous êtes relou. Il m'emmerde. Alors là, attention, hein, parce que là, il y a colocation. Il y a colocation, tout peut aller très vite, là, ici. Hein. Louis, ne regarde pas sur ta gauche, s'il te plaît. Reste concentré sur ton parcours. Chacun son destin, les gars. Parce qu'en fait, je peux mettre des mini-portes, faut juste que ça arrive là. Là, ça va être droit si je fais ça. Tout va bien se passer. Voilà. Là, du coup, est-ce que ça fait la bonne superficie? 276 mètres carrés. Du coup, lui qui va avoir une entrée clôture. Ici. Combien tu fais, toi? 228 mètres carrés. Coup dur. Coup dur, on est obligé de gratter de l'espace comme des vieux rats. Oh, les enculés, putain, c'est chiant. C'est chiant. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que déjà, ingénieux comme pas deux... Je vais leur faire un truc où elles peuvent se voir. Oh. Vous pensez que ça aime voir une autre tortue, une tortue? Après, elles vivent pas, mais elles savent pas. Elles doivent pas savoir, t'es genre en mode, oh là, elle est pas comme moi, elle. Et genre là, je la mets en vert. Comme ça, c'est genre, ah putain, tu ressembles à ça, toi? Ah ouais, toi aussi. Tu vois, un truc un peu comme ça. Que c'est moche. Non, mais là, on va décorer, là. Là, on... Immonde. Oh là là, que vous êtes vilain. Que vous êtes... Et là, combien ça fait de mètres carrés, là? Là, si on parle en habitat 5, là. 268 mètres carrés. Je pense que j'ai gratté ce qu'il fallait, là. 236. Oh, pff, il manque 4... Non, non, c'est bon, je crois. Attends, c'est quoi les autres tortues? Mets tout en vert. Non, parce qu'après, ça leur fait peur. On rappelle que c'est un parc pour 230 mètres carrés, il fallait 236. C'est bien. Super. Est-ce que... En vrai...
Là, je pourrais pas. Lâcher un petit. Tu vois ce que je voulais faire? Bon, finalement, on le fait pas. Mais t'as capté un peu ce que je voulais faire. Ça sert à rien, finalement, mais... Mais il y avait un truc, là. Tu vois, on pouvait gratter un peu de place, là. Bon, allez, on va rester concentré, quand même. Bien de la merde. Il est vrai que ça m'arrive de faire de la merde. C'est rare. Moins large. Peut-être la largeur, tu vois. Non, je pense que c'est la... Remets-le en bout de verre. Tu vois, là, je vais le mettre. Voilà, comme ça. Ça, ils pourront se voir. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, du coup, il a besoin de quoi? Oh, mon bébé! T'es tout beau, Louis. Hein. Personne voulait de toi, Louis. Tu te rends compte un peu? Tout ça parce que t'as les genoux qui rentrent l'un dans l'autre. Eh ben, c'est pas grave si tu marches différemment, Louis. On t'aime quand même. T'es un peu différent, c'est tout. Eh oui, mon... Oh, mon frérot. Bah ouais, mon frérot. Bah, on se pose. Bon, ouais. Bon, je vais te mettre bien, attends. Tu vas voir, tu vas être bien, toi. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Abri solide. Tu veux de l'abri? Je t'ai mis un peu trop d'herbe courte. T'aimerais un peu plus de sable. Je vais te mettre du sable, mon frérot. Tu vas te régaler. Je te le dis, avec nous, là, tu vas passer un moment, mais... Bon, là, il y a trop de sable. Du coup, là, je te mets ici, pile là où t'es. Là, ça va être l'espace un peu herbe longue. Comme ça, ils vont se voir, mais pas trop se voir, tu vois. Il y a un délire un peu savane ici. J'aime bien, j'aime bien. Il y a un délire un peu waouh, tu vois, genre... Hein? Quelque chose, tu vois. Et c'est bien, parce qu'en fait, c'est parfait. C'est tout ce qu'on veut. Parce qu'on veut pas non plus les effrayer, tu vois, à travers ce truc. Donc, c'est bien. Oh, merde, me dit... Attends, les autres, là. Oh merde, j'ai encore un truc de recherche gagné. Boutique de souvenirs. Oh mais c'est bien, on commence à se développer fort. Hein. Je pourrais laisser les gens rentrer dans leur habitat. Mais ça, pour moi, c'est quand même une idée de merde, non? Grave blessure découverte. Oh loulou. Khalid. Il est en full blessure, Khalid. J'ai quoi en recherche vétérinaire, là, encore? Les grenouilles et les crocodiles. Non mais les crocodiles, je peux encore les mettre mieux, mais c'est incroyable. Ah ouais, on pensait déjà qu'on est... Brutus? Pourquoi Brutus n'allait pas bien? Pourquoi Brutus n'était pas là? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Non mais attends, parce que là je me suis éparpillé là. Mais souvent en fait c'est un jeu où tu t'éparpilles. Mais c'est pas mal de s'éparpiller. Hein. Optimisation jet d'eau. Oh, j'ai grave envie de jeter de l'eau dans la gueule de Brutus. Ça fait quoi, ça, en fait? Ah bah, ça jette de l'eau. Hein. Oh, je vais lui faire un jacuzzi! Je vais lui faire un full jacou! Oh, Bru-Bru! Bru-Bru! T'es où, Bru-Bru? Tu vas te régaler, ma gueule. Obstruction. Oh non, on peut pas les mettre trop près. Ah, oh, je voulais lui en mettre 3-4 comme ça, tu sais, comme ça il peut se mettre sur le ventre. Bon, c'est pas grave. On a autre chose. T'as peut-être une nouveauté, toi? Tu veux un nouveau truc? Bah, c'était ça, c'était l'optimisation. Marqueur de traces sanglantes. Ah, c'est sympa ça. Je sais pas trop où mettre ça, mais c'est un peu glauque. Pas très enfant-friendly, quoi. Miloza, merci pour le prime. Il y a GG tout à l'heure qui a lâché un prime. Florian, il y a plein de gens qui ont resub. Rebienvenue, plein de deuxième mois. Plein de gens qui ont sub récemment et qui ont décidé de revenir parmi nous. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Alors, Louis, qu'est-ce que tu voulais, mon poteau, là? On n'a pas fini avec toi. Toi, déjà, t'es en biome tropical. Et je peux te dire que les tropiques, ça me connaît. Voilà. J'espère que ça va te rassurer. Parce que moi, tout ce qui est tropical... Je peux te dire que tu vas être, mais au max du max. Tortue géante, Galapagos. Déjà,
C'est un peu de la merde, hein. T'as pas grand chose quand même, toi. Abri solide. Je peux pas lui faire d'abri solide. C'est Louis, pas Louis. Louis met un abri à tortue. Mais je crois que je ne possède pas d'abri à tortue. Faut que je parte en recherche médicale, là. Enfin, dans les abris. Bah là, je suis dans tous et dans tortue, là, donc... Juste, il peut avoir un ballon, Louis. Je vais lui mettre des trucs ici. Là, je vais lui mettre un couchage habitat moyen. Comme ça, s'il veut se poser... Ici, j'ai l'impression qu'il veut vraiment se poser, là. Ah. Je vais lui mettre là, là. Ça va être bien, ça. Ici, il va y avoir un peu de bouffe. Parfait. Ce n'est pas une Galapagos. Comment ça? Alors moi, je clique, il y a marqué Galapagos. Tortue géante des Galapagos. Du coup, qu'est-ce que... Je mets pas d'eau. Si, si, je vais lui mettre un peu d'eau quand même, faut qu'il boive. Un petit bloc de fruits glacés. En fait, c'est surtout, faut que... Ça, c'est des optimisations, faut que je mette les trucs mignons, là, avant tout. Là, je peux lui mettre un petit abreuvoir, ici, tranquille. Ah, mais à chaque fois que tu mets un truc, en fait, ça devient... Tu sais, ça devient vert. Ça, c'est un peu chiant, ça, en vrai. Panneau d'info. On va mettre des panneaux d'info. Hein. Là, ils vont être 4 là-dedans. Et là, par contre, je vais le régaler en tropique, là. Là, je pars en full tropique, là. Thème. Là, ça y est, je pars en tropique. Qu'est-ce qui plairait à une souris? À une tortue. Un faux philo... Mais putain, bien sûr que c'est ça qui lui plaît. Là, comme ça, hein. Je suis inspiré, là. Je suis plus inspiré, là. Non, un seul, c'était bien. Je crois que c'était le max de mon inspi, là. Allez, peut-être un deuxième d'une autre taille, bien sûr, pour changer un peu les ambiances. Clac, un peu enfoncé. Magnifique. Magnifique. Surtout de loin, là. Là, bien sûr, une fougère nid d'oiseau. Ça, j'en parle même pas. C'est le must-have de la tortue. La tortue Galapagos, généralement, a toujours besoin d'une... Je vais le mettre ici. Comme ça, les visiteurs, tu sais, ils arrivent, ils disent... Ouh. Eh, tu vois, là, je pense, t'es visiteur. Là, t'as des premières tortues. Déjà, t'es bonne claque. Hein. Visuellement, c'est une bonne... Là, t'arrives, t'es... Ouh, la vache. Là, va y avoir de la tortue, là. Donc ça, c'est bien. Il y a un abri en bois basique qui est dispo pour tous les animaux. Ok. Mais attends, là, je le custom, là. Non, je vais pas lui mettre des bambous, là. Forêt de bambou, ça, c'est... Non, trop osé. Parce que lui, il est quoi, en fait, lui? Si tu devais te définir, Amérique centrale, toi, plus, hein. Ouais, toi, t'es plus dans un délire Amérique centrale. Ah bah, déjà, il y a peut-être plus que ce que j'ai mis. Oh, une pince de homard. Magnifique. Je vais forcer là, je sens que je vais forcer. Oh, au milieu! Ça va être chum. J'ai peur que ça soit chum. Non, non, attendez. Laissez-moi, laissez-moi. Non, mais le nénuphar, c'est sur. Nénuphar, c'est pas sur l'eau. Un poirier jaune. Mais en fait, il leur faut un peu de. Non, ça, il aime pas, en fait. Ça lui correspond pas, ça. Ça, c'est pas pour lui, ça. Ah bah parfait, du coup, je vais foutre ça là. T'arrives direct en... Une flaque. Mais il faut une mare, j'ai l'impression qu'ils ont pas besoin d'eau. Tu vois? Ils sont pas en... Il est tout petit, en plus, hein, il va se noyer. Pas de préférence pour les zones aquatiques. Je peux lui faire une pataugeoire. Je veux lui faire une pataugeoire. Alors ça demande juste que je retape un peu 2-3 trucs, ça. Je vais lui faire une petite pataugeoire au milieu. Le plus beau des Géranzo. Comment ça va, mon Anil? Il y a bientôt un bail avec Anil qui se prépare. Ouh, loulou. Loulouloulou. Loulouloulouloulou. À peu près. Mais j'ai pas encore, en fait, parce que j'ai pas tout. C'est une tortue terrestre, donc pas trop profond. Ouais, ouais, t'inquiète, tu vois. Là, c'est la surface. Je creuse ici.
De l'eau un peu dégueulasse. Ah bah non. Oh non, non, non. Moins. Non, moins. Là, il y a trop, là. Moins. Là, bien. Ah, moins, moins. Moins, moins, moins. Ah ouais, c'est pas... C'est dégueulasse, ça. Plus profond. Ah, mais plus profond, on va dire que c'est plus... Du coup, plus grand. Ah non, pas forcément, ça peut faire un recueil. Ah non, tu vois, en fait, il est... Là, moi, je voulais juste dans le trou. Ou alors, je voulais d'élever au-dessus, mais... Tu peux même pas, en fait. Ah, mais là, c'est un caveau, là, quoi. Ah, la tortue, elle va crever, quoi. Ah, quoique. Tu sais, il y a une petite bosse et tout. Si, j'aime bien ça. Ah, c'est l'intensité que je fais trop puissant? Ah, je suis à 60% d'intensité, c'est peut-être ça, ouais. Ah, parce que ça met texture, application, auto. C'est pour ça. C'est pour ça, putain. Attends, je vous le fais mieux. Ah merde, je fais l'inverse là. On est dans la savane là. Magnifique. Ah, visuellement, c'est. Ah, une claque. Hein. Là, je mets du sable. C'est bon, j'ai le truc là. C'est minutieux. Hein. Les horlogers, tout ça à côté, de la merde. Hein. Là, je suis au clic. Hein. Magnifique. Magnifique. Là, ce que je fous, préparez-vous bien. Là, ça va être vraiment une floriture de belles choses. Mangrove. Non, on a déjà foutu partout de l'autre côté. Des petits... Voilà, ouais. C'est pas vraiment... Non, la notion de petit, c'est vrai que c'est une assiette, quoi. C'est une assiette pour 4 personnes, là, quoi. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas des nénuphars minuscules, quoi. Enfin, il y a ça à Truffaut, hein, si vous voulez, hein, si vous galérez. Mais là, c'est quoi, ça? C'est une attraction ou quoi, le bordel, là, le truc? Faut, enfin... C'est quoi, cette merde? On veut pas de ça, nous. Je serais déçu, là. Un petit poirier jaune cassé, là. Non. Pas de poirier jaune cassé. Belle. Belle. Non, mais en fait, les trucs de nénuphars, c'est pas bon pour les crocos, c'est pas ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, c'est pas leur bon biome. Donc, des petits alocassis. Des petits alocassis comme ça, là. Putain. Il y a de la chance d'être né avant moi, Van Gogh. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Merveilleux. Non, ça me fait plaisir parce que... J'aime beaucoup les voyages, ça me permet de voyager, là, là on est aux Seychelles, là. Galapagos City, là, c'est... Peut-être que le mieux, en fait, c'est de mettre un gros. C'est mieux, ça. Magnifique, en vrai, hein. Bon, alors là, est-ce que le poirier, c'est une bonne idée? Peut-être que le poirier, c'est la fausse bonne idée. Mais si le poirier dépasse comme ça,
et fais un peu d'ombre de l'autre côté. Ah mais ils vont faire chier, ils auront jamais de soleil. Un poirier un peu, t'es genre en double ambiance. Un poirier en double ambiance, je pense que c'est pas mal. Je pense que le poirier en double ambiance te met très bien. Non, c'était bien là-bas. Un poirier en solo ambiance. Là, je mets un petit abri. L'abri, qu'est-ce que tu veux En fait, tu vois, il n'y a pas d'abri là. Je crois que j'ai pas d'abri à dispo. Un arbre à fruits. Sacrément chum, ça. Hein. Ta séparation est nulle, mais plutôt des cailloux. On peut pas faire une séparation naturelle. C'est pas possible, ça. Je peux foutre des cailloux. La double ambiance était mieux, ouais, je pense. Baisse la taille. En fait, c'est juste qu'après, ça dépasse, quoi, du coup. Enfin, tu vois, genre, après... Oh, celui-là, c'est pas mal, là. Si tu mets les pierres sur les barricades... Comment ça? Dites-moi en plus, là, je suis curieux. Je vais mettre une mini-barrière d'éclos et y mettre des rochers. Rocher plat en hauteur. Roche plate en hauteur, abri. C'est-à-dire, genre, il veut ça, quoi, le gars? Attends, je vais juste te déplacer 2 secondes, Michel, là. Vas-y, va dans le carton. Voilà. Clôture invisible. Ah, je peux faire ça? Ouh là 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 là. Full mistake là. Oh! Ah, mais attends, parce que là, on aurait des trucs à faire là. Comment j'ai fait ce que j'ai fait tout à l'heure là? C'est horrible. J'ai cassé tous les rêves de tout le monde là. J'aime bien la double ambiance. Je pense que c'est mieux en vrai de faire ça. De mettre ça là, ça va me laisser plus de place. Ici, ils auront un vrai coin de liberté. Tu vois ce que j'ai fait là tout à l'heure, c'était bien. Mais ça, du coup, je peux modifier donc ceci. En le mettant... Définissez le permettre d'un habitat quand une clôture est nécessaire. Par exemple, un fleuve pour les animaux qui ne savent pas nager. Et là, je fous full pierre. Mais c'est du génie. Non, c'est pas ça? J'ai l'impression que c'était ça. Le biome des tortues... Seychelles, c'est pas Amérique latine. Ah ouais, du coup, ils vont me faire chier. Si, c'est ça, bah c'est parfait, ça. Tu vois, comme ça, c'est parfait. Là, honnêtement, ça va être génial. Nature. Donc là, faut foutre full rocher, quoi. Bon. Peut-être pas commencer par le meilleur. Oh là là, sachant que ça va pas être mon fort, ça. Oh, je sens que ça va pas être là où je vais exceller, là. La pose de rocher, moi, je me sens... Pas si mal! Gros rocher, quand même. Rocher qui reviendra peut-être un peu après. Déjà, je vais déplacer ça, là. Pour pas nous gêner dans la construction de l'habitat. Je pense qu'il me faut des petits rochers. Ah mais ils m'emmerdent un peu là les rochers en vrai. Voilà, c'est que des... C'est merdouille là le truc là. En fait, après, c'est pareil. C'est toujours le même principe. Ensuite, on va faire des rochers par-dessus des rochers. Voilà. Voilà, sortie de zone de confort, là. À la verticale. Ouais, mais là, ça va vraiment faire un menhir. Attendez, je teste un truc. Venez, je teste, et ensuite, on voit.
Ah, mais ça, mec, enfin... Ça, concrètement, c'est un vaisseau dans Star Wars, quoi, le truc. Enfin, qu'est-ce que je fous de ça, quoi? Si tu veux, là... Pas mal! Pourquoi j'en ai deux, du coup? Mais les autres, ils sont trop picots? Que je fous avec moi, j'ai une galette là. Parce que si les autres sont pas trop picots, I am fucked. Hein. C'est horrible. J'en ai marre. Au revoir. Magnifique. Magnifique, on voit presque pas que ça dépasse. Magnifique, ça. C'est sublime. C'est sublime. C'est sublime. Je sais pas que j'étais capable de ça, moi. Bien sûr, petit caillou derrière. Petit caillou emboîté à gros caillou. Voilà. Non. Si, si, si. La nature a fait des belles choses. Là, je l'enfonce, lui. Bien sûr. Mais en vrai, je suis un artiste. Hein. Non, non, mais laissez-moi continuer, laissez-moi continuer. Je pense qu'il faut que j'exprime ma créativité. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je pense qu'il nous faut plus de cailloux. Ça aurait été peut-être pas nécessaire quand même. Oh, celui-là en vrai c'était le mieux. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Croyez en moi. Ah non. Du coup, je l'ai déposé, je crois. Réaliser l'axe sur les rotations du monde. On valide pas. On valide pas. Moi, j'avais peur qu'une bébé tortue escalade et du coup rencontre les autres tortues qu'elle a jamais connues. Vous validez le trou, vous? Vous préférez le trou?
peux vous laisser le trou, hein. Mais imaginez, il y a une rencontre de tortues. Parce que le souci, c'est que c'est quel biome, le truc des sécherelles, là. Allez, petit bobo dame, nain. Ça va être mignon, ça. Ça va être de l'autre côté, ça. C'est tropical aussi! Mais quel délice! C'est juste gagné, en fait. Et là, qu'est-ce que je fous, ici? Parce que là, genre, ça suffit, là? T'as vu ça un peu? C'est une technique. C'est quoi ce giga caillou? J'ai vraiment fait un menhir. Honnêtement, j'ai fait un menhir. C'est vrai que le caillou est un peu gros. Donc fais un abri de l'autre côté. Clique sur ta tortue pour voir si elle peut passer de l'autre côté. Ah, on peut voir ça? Qu'est-ce qu'il a là? Louis, c'est à 63% de bien-être. Bah Louis, c'est hyper heureux en fait. 82% dans l'habitat. Il lui manque quoi? Ah, il lui manque juste un abri solide. Il lui manque juste un abri solide. J'ai gagné des trucs. J'ai gagné des sous. J'ai fait quoi, recherche vétérinaire? Monstre de Guilin. De Gilin. Ah, elle se fait un peu chier, quoi, ma tortue, là. C'est vrai que j'ai un caillou enfoncé. C'est quoi qui fait quelqu'un? Il a pas la forme, Louis. Bah, Louis, il se fait un peu chier, mais parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens avec lui, quoi. Ça aide pas, aussi, hein. Là, pour l'instant, ils sont tous timides, quoi. Ils sont pas très chauds pour participer. Tortue géante. Il y a Laetitia! Laetitia va rejoindre Louis! Vas-y, viens! Oh, faut mettre la forme à Louis, là! Et Louis, ça va être le seul mal, parce que Louis, il était un peu flingué, hein. Personne n'en voulait. Ah, Louis, en même temps, il est mou, hein. Il est mou du genou. Hein. C'est nul, le mode franchise. Oh, encore des combats de facochères, les gars, on s'en branle de vous, va falloir le comprendre, hein. On vous voit à la ferme, les mecs. On vient pas aux eaux pour vous. Hein. Arrêtez de nous les... Fernal, ça. Je vais tous vous castrer, là. Non, je vous aimais bien au début. Puis au final, ça ken comme jamais. C'est Ralid, ça, toujours, là. Ralid et Daoud, là, ils sont en embrouille. Bah, y a Tabansi. Tabansi, il va bientôt crever. Hein. Ah, désolé, c'est Daoud qui reste, les gars. Ah, c'est... Délit de faciès, mais c'est celui qui a le plus d'étoiles, quoi. Boum, 15 feuilles. Bon alors, elle arrive quand, là, Daouda, là? Ici, petite boîte. Ici, petite sélection. Non. Petite sélection dupliquée. Je nous glisse là. Un petit panneau tortue géante des Galapagos. Elle vient ou pas là? Attendez deux secondes, je vais juste mettre une nouvelle zone pour le personnel, zone de travail. Brutus et tortue, modifier zone de travail. Bien sûr, désormais, les tortues sont dedans. Ce qui fait qu'il y aura des soigneurs, mécaniciens, tout le bordel. Bon, qu'est-ce que tu fous toi là? Vas-y frérot là. Oh, la réaction. Ça arrive pour toi, ma gueule, ça arrive pour toi! Elle est là! Aïe, 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 aïe! Gang! Vas-y, va la voir, va la voir! Oh, direct, direct, il fait genre le timide, il se retourne. Oh là là, le timide, Louis! Hey, t'inquiète, t'es chez toi, t'étais là avant elle. Oh non, il s'est enfui d'elle, t'as pas à avoir de pression, loulou. Je sais que c'est un très beau habitat que je vous ai fait, mais... Oh non, il s'enfuit. Vraiment, on est sur un enclos cassé. Ah, va la voir, va la voir. Dieu que c'est lent. Bon, il leur faut un abri. Oh, mes petits choux.
Ok, le mécanicien est directement là. Je vais leur faire un petit abri là, attendez. Qu'est-ce qu'il y a comme abri en bois C'est big quoi. Ça sert à quoi de faire des abris en métal? C'est horrible le métal. Oh, je peux faire un abri genre Afrique. Ah oui, d'accord. Bon, faut avoir la place quoi. Ah, c'est-à-dire que c'est... Ah oui, en même temps j'ai cliqué sur le truc. Mais attends. Mais je vais juste leur faire ça ici, à eux, là. Dégage-moi ça. Attention l'autruche, la bouge. Ouais, ça a pu hier, là. Oh là 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 là, lourd. Désolé, je vais le déplacer un petit peu. Comme ça, il sera le long de la clôture. Attendez, 2 secondes. Excusez-moi. Je vous emmerde un peu, mais... C'est pour le bien du zoo. On va juste que... Voilà, comme ça, c'est magnifique. Je vais pas faire chier à ce point-là. Je vais juste récupérer ça, le déplacer et le mettre là. Bon, parfait. Bon, on ouvre toutes les caisses. Désolé, j'ai un peu fait de la merde. Plusieurs objets ont été vandalisés. Oh non. Ah ouais, il y a full objet vandalisé là. Mais vous êtes des merdes les visiteurs. Ah, je vais vous faire raquer hein. Ah là, le burger à 20 balles, vous allez le goûter là. Eh ouais, ça jette les trucs, c'est dégueulasse là. C'est des gros porcs, faut qu'il va falloir que je mette des caméras, putain. Ah, ça c'est le truc qu'on avait pas envie ça. Ah, je vais les laisser crever moi, je pense. Eh ouais, ça vandalise, putain. Ils se rendent pas compte. Bon, ils en pensent quoi les gens des tortues et tout là? Attends, je ne veux pas faire d'aller, je ne sais pas comment le dire au gars là, c'est bon. Oh, ils sont... Ah non, j'ai cru qu'ils se regroupaient entre tortues. Ah mais c'est vrai, il va pouvoir passer de l'autre côté. Là, il va peut-être avoir trop froid avec le... Température, tu vois. Il va se barrer de l'autre côté. Je le sens. Attends, je vais mettre... Un truc éducatif. Genre là. Il se barre ? Eh, hop, 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 hop ! Louis, 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 Louis ! Agent de sécurité, Louis ! Hop, hop, hop ! L'autre côté ! Ah, Louis, c'est en méga déter. Ça y est, Louis, c'est en... Louis, c'est en enfer 3000. On récup, Louis ! Allez, on va devenir une petite boîte, Louis. Oh, il m'a écouté. Il m'écoute. Allez, hop là. Ah, tu te ridiculises devant ta copine. Bon, du coup, faut que je refoute un caillou, là, quoi. Il regarde le live. Non, mais il fait le beau, il fait le beau. Rocher tropical. Ça va être chum, ça. C'est pas grave si elle se rend compte. Bah, dans le jeu, ils vont pas trop kiffer, je crois. Dans la vraie vie, je sais pas, mais... C'est dingue, hein. C'est parfois moche, ce que je fais, mais j'arrive toujours à faire le petit truc moche au-dessus, t'sais. Ça, c'est quand même parfois un don, hein. Ça arrive de faire un truc moche. Mais réussir toujours à ajouter le petit truc moche en plus... Là, jamais de la vie, il peut monter. Hein. En vrai. Là, il peut plus monter, là. Rien te dit de pas les mettre ensemble. Bah, ils te disent qu'ils sont pas compatibles. Bon, du coup, elle fout quoi, l'autre? Elle est là!
Oh, Choupettas. Choupettas, au final, est pas si mignon que ça. Hein. Parce que quand on le prononce, on se dit « Ah, ouais, pas mal. » Température adaptée. 80%, donc... Non, c'est vrai que Choupettas, c'est pas fou. Hein. Drogou et Afaren, merci pour les primes. Tous les jours de la semaine, il escalade ton truc. Ah, oh, je pense qu'elle va vouloir se barrer aussi. Oh non, elle joue avec le ballon. Belle conduite de balle. Et Laetitia, Laetitia qui est partie en profondeur. Laetitia qui a vu Louis. Louis qui en appelle. Louis qui est revenu. Où est Louis? Louis est mort? Attends. Ils m'ont kidnappé Louis, là. Louis était là il y a quelques temps. Louis... Allez, c'est pas terminé pour Laetitia qui a poussé peut-être un peu loin le ballon. Laetitia! Laetitia, pour l'instant, elle doute, Laetitia qui va passer juste à côté. Laetitia avec une... la Ronaldinho. Sans regard... Elle veut se barrer. Elle a vu une faille. Elle a vu une faille. Elle a clairement vu une faille. Elle va se casser. 100% à l'escalade. Je la vois pas ne pas escalader. On va mettre x2 parce que la tortue, c'est vrai qu'on va un peu l'aider, quoi. Elle en... Oh, elle galère. Elle se dit, merde, je suis Keblo. Je passe pas, en fait. Elle est en train de se dire, je passe pas. Je sais... Elle tente. Et demi-tour! Tu passes pas, Laetitia! Reprends le ballon, reprends le ballon. Luisinho? Mais Luis, il devait revenir un jour, hein. Attends, il est où, Luis, là, du coup? Oh, il y a les buffles qui vont avoir des gosses et tout. Oh lolo. L'animal a faim. Ah, oh, bah, ils vont manger ça. Recherche vétérinaire. On n'arrête plus le progrès, là, les grenouilles vénéneuses. On va aller se faire les autres trucs. Attends, où est Luis, là? Concrètement, Luis allait bien il n'y a pas si longtemps. D'un coup, je vois plus Louis. Tortue. 17 ans. Oh là, c'est bientôt la fin pour elle. Faut que je pose un abri, toujours. Juste, j'essaie de récupérer Louis. Merde, je suis passé devant Louis. Tortue géante. Habitat 6. Hein? Louis? Mais Louis, c'est... Laetitia, 46 ans. Et... Là, ici. Ramenez-le-moi. Ils ont perdu Louis. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, j'avais mis clic, je l'avais envoyé dans l'autre truc. Pff, tout va mieux. Bon, est-ce qu'il y aurait pas des nouvelles tortues? Il y a Francisca. Ah, Francisca, elle est dégueulasse. Oh, j'ai... Non, ça serait trop dur de remplacer Louis. Ils peuvent être deux mâles ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit d'être deux mâles? Ah non, parce que c'est horrible de cuck Louis, quand même. Ah, ils peuvent être deux. Oh, je mets un concurrent à Louis. Un, deux. Bah, il y a marqué un, deux. Ah, mais peut-être en mâle célibataire. Moi, je vois 1-2, quand même. Ça peut être de 1 jusqu'à 1 mâle et 3 femelles. Ah, du coup, c'est Louis all the way. Louis, il va voir toutes les go lui passer devant, là. Y a pas une petite girafe, là? Oh, putain, toujours pas. Toujours pas. Hein. Ça me brise le cœur. Pour être poli, je suis brisé, quoi. Ouais, mais du coup, Francisca, elle est flinguée, quoi. Honnêtement, Francisca, elle vaut pas le coup, hein. Francisca, elle est vraiment sur la fin, quoi. Elle est sur le déclin, quoi. Bon, nous, on avait toujours besoin d'un habitat. Ah, je pense qu'ils vont finir ensemble. Ça met un peu de temps, mais... Du coup, à quel moment ils ont besoin d'un abri, les tortues? Ah, je vais les foutre là, en vrai. L'abri, je vais le foutre là. Hein. Ouais, c'est minutieux. Hein. Ça ne m'a pas énervé. Ça m'énerve un peu. Ça m'a fait bugger, genre j'aurais pu rester longtemps comme ça. Ah, je vais le foutre là, l'abri, hein.
Une grotte des pierres égale un abri. Ah mais je pense qu'on a déjà fait des pierres là. Je pense qu'en termes de pierres, je suis pas loin du max de mes capacités. Hein. Mauvais ratio. Oh ça se fight, putain. Alors que là, ils vont se régaler là. Là je vais le décupler lui. Parfait là. C'est moche. Tu trouves ça moche? Je trouve pas ça moche moi. Animal laissé trop longtemps dans sa caisse. Oh non. Attends, j'ai un facochère 5 étoiles là. Oh bah il va mourir. Ah les adultes c'est 8 max les enfacochères. Ah et les lémuriens aussi ils sont en train de se frapper. Oh là tout le monde se tape là. C'est combien la quantité max de... Oh bah c'est Nomena là, elle est en train de crever là. Vient d'être faible, qu'est-ce qu'ils ont là? Mauvais ratio, mâle femelle. On va faire un tour. C'était pas si moche hein, moi je trouvais ce qu'on avait fait là. Merci à tous les resubs les potes, je suis pas désolé je suis un peu dans le truc... Ça qui est cool avec Planet Zoo, c'est que je suis à fond. Genre honnêtement, c'est trop plaisant à stream. T'es dans ton truc, t'es à fond, tu vas voir tes petits gars, il y a Louis qui a fait une connerie, il y a machin et tout. C'est trop bien. Bon, facochère adulte, c'est 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je veux pas vous emmerder, hein. 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, parce qu'ils ont dit 8, mais c'est parce que 8, ça devait pas suffire. Enfin, 8, ça devait être trop, quoi qu'il arrive. Du coup, il y a des femmes qui doivent embrouiller un peu, là. Daoud, c'est le seul mec. Du coup, je vais tège... Enfin, en même temps, ça va mourir, là, bientôt. Hein. Apparemment, on aime bien, on est plus de 8000 à te regarder. C'est vrai. Oh, des recherches vétérinaires terminées, vas-y, dis-moi. Ah oh, bah, je peux faire les monstres de Gila, maintenant, j'ai tout fait, là. Je suis assez surpris que vous regardiez pas le match. Non, mais il y a trop de matchs. Donc là, honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas maté un match de l'équipe de France. Hein. Pour tout vous dire... Et les lémures, du coup. Parce que le lémur... Intéressons-nous aux lémures. Le lémur, dans l'ensemble, il accepte combien de personnes? 3 à 30. Un mâle, 29 femelles. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a trop de mecs? Je pense qu'il y a trop de mecs. Je pense qu'il y a trop de mecs chez les lémures. Il y a un mec, il y a deux mecs. Faut que je tège un mec. Et Nomena, elle est en train de crever. Bon, Nomena, elle se barre. Non, Nomena, elle peut pas se barrer. Elle est trop vieille pour se barrer. C'est vrai qu'il va falloir commencer à filtrer. Hein. Parce que là, sinon, c'est vite infernal, quoi. Alors, qui dit quoi, là? Ah ouais, Nomena, elle est dans le... Elle est en bout de course, quoi. 21 ans, elle est mal. Elle est en train de vomir dans un coin, là. Ah, c'est une sale histoire hein, pour Nomena. Mais mes deux petits loups, ils sont pas bien notés, en fait. Ah oh bah, c'était un silver, lui, quand même. Envoie au centre d'échange. C'est vrai, parce que... Au final, Nomena... Transféré. Les animaux sont transférés dans un hospice pour animaux et resteront jusqu'à la fin de leur jour. Oh, l'hospice... Mais en même temps, elle est pas heureuse, là, chez moi. Ah mais c'est juste parce qu'elle a pas bouffé hein. En fait c'est juste parce qu'elle a pas bouffé, sinon c'est bien. Sinon ça leur plaît ce qui va. Donc vas-y, bah elle va bouffer. Elle va juste manger. Bon alors lui là. On en est où deux là? Ça a l'air de pas mal se passer là. Il dort? Tu dors l'été? Ah non, pardon, je voyais pas de quel côté t'étais. Animal affamé. Oh putain, pourtant j'ai engagé 20 000 soigneurs. Animal affamé, Nomena. Bon allez. Hein, Nomena, on va payer 20 balles là. Tu commences à... On peut pas nous le péter là, Nomena. Tu peux enfoncer l'abri. Et c'est quoi du coup le truc pour voir... qui fait quoi? Ce serait bien qu'on les nourrisse aussi. Oh là là, tout se casse si vite. Recherche vétérinaire. Crocodile marin. Bon, les crocodiles, ça y est, ils sont à fond. En vrai, crocodile et tout. Mes crocos, je les ai mis bien. Oh, j'ai cru que j'avais eu un gosse.
Mais pas du tout en fait. Mais elle va peut-être bientôt être enceinte hein, quand même. Hein. C'est l'habitat 4 moi qui m'intéresse. Clôture très abîmée. Et ça peut pas se faire naturellement dès que c'est abîmé, genre on check, on fait un petit coup d'œil et c'est bon. Espèce crocodile, qu'est-ce qu'on a gagné là en crocodile? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de nouveau là? Bain de boue! Ils ont les bains de boue! Ça plairait pas les bains de boue à mes... Oh, je pensais que ça plairait bien à mes petits... Ah, c'est con ça. Aux autres, quoi. Dégueulasse. It wasn't what I wanted to do. J'arriverai pas à le mettre, je pense. En fait, faut limite que je le superpose. Ah non, j'arriverai pas. Je vais commencer à théo calme sur le copypasta. Tu vois par où tes tortues pourront passer. En bas à gauche, tu vois par où tes tortues pourront passer. Alors, en bas à gauche. En bas à gauche. C'est quoi? C'est ça, du coup? Seeing a tortue géante des Galapagos, so clearly is awesome. I will cherish this memory forever. Ah oui, full bilingue, là. En bas à gauche. Fait H. Bah, je pense qu'ils peuvent plus passer, là, en vrai. Depuis que j'ai rajouté le petit truc. Sinon, ils auraient essayé de bouger à nouveau. Donc on est content. Ah, le rond en bas à gauche, ok, pardon, d'accord. D'accord, te permet de voir si jamais il y a des trous, quoi. D'accord, super. Merci. Juste les monstres de Gila, là. On va leur mettre full optimisation, comme ça ils vont être contents. Lampe chaude. Oh. Oh, trop stylé. Trop stylé, ça. Qu'est-ce que j'ai gagné encore? Grenouille vénéneuse. Ah bah les grenouilles vénéneuses aussi, elles sont en full opti là. Allez que je t'optie ça là. Boum. Qu'est-ce que je peux te mettre? Installation. Je te mets de la plante tropicale. Ah bah là on va plus les voir là. Monsieur A. Monsieur B. Oh y'a des petits... Y'a de la petite clim. Magnifique. Clique sur le radar puis sur la tortue. Elle est au top. Elle peut pas s'échapper. Bon, on en pense quoi, là, du petit enclos? Oh, merde, putain, ils vont avoir des... Ah, ils sont... Mes buffles sont enceintes. Les buffles sont enceintes. Oh là là là, ça, c'est le bordel, là. Ça, on peut pas le faire automatiquement. Y a pas un... Y a pas quelqu'un qui peut remplacer, tu sais, genre, des mécaniciens dans tout le parc, genre? Que je gagne peu d'argent parce que je fais full recherche en fait. Il y a d'autres choix, tu étais sur éducation. Ah putain, c'est ça. Ah, j'avais. Mais vous savez, j'avoue que parfois je suis un peu teubé, j'avais pas du tout vu en fait. Besoin des visiteurs. Ah, j'avais pas du tout vu ça. Impact négatif sur les visiteurs. Bâtiment. Habitat. Ok, d'accord. Ouais, vous voyez, ils peuvent pas aller dedans. Bien-être des animaux, ouais, elle est bien. Elle mange pas encore de ouf. Espace. La taille de l'habitat est adaptée au nombre d'animaux. Je pense qu'il va pas en falloir beaucoup plus. Hein. Excusez-moi, je connaissais pas. Bon, ok, parfait. Non, en vrai, on doit avoir pas mal de thunes, non, quand même. 3000 balles. Ah, il donne pour le truc à côté aussi et tout. Hein. Oh. Naissance prévue! Putain, mon Louis, quel champion! Bien sûr, partenaire actuel Laetitia, on va avoir des bébés tortues! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Là, je vais mettre un petit panneau éducatif. Petit panneau éducatif que je mets sur quoi? Partage des terres. Il y a un jour où c'est rempli leur truc ou pas là? Ce serait bien qu'ils mangent quand même. Hein.
Ça serait pas mal qu'ils mangent, là. Check échange d'animaux. Est-ce qu'on a des nouveautés, là? Une girafe, je prends. Oh, un bonko, c'est mignon. Oh, il y a un guépard, c'est pas mal, aussi. Hein. Une hyène tachée. Un lémur catin, ça j'ai tout ça. Oh, le springbok de qualité supérieure. Hein. Tortue géante, ouais, mais il y a Eduardo. Et... On a dit qu'on bougeait pas Eduardo ni Francesca, donc maintenant... Mais ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas des, des lions. Il y a un lion, là? Il n'y a pas de lion, les gars. Il n'y a pas de lion. Nous, il nous faut des hippopotames nains. Là, déjà, on fait cette partie. Là, on a avancé de ouf. Hein. Là, ça va être le nouvel habitat. Stature de l'enclos. Parce que ça, déjà, je vais leur dire... La recherche vétérinaire. Bah, les vétérinaires, on prend plus rien. Selena, elle va faire ça. On va rechercher des nouvelles maladies. Hein. En vrai, on va rechercher full maladie comme ça. Oh, les tortues, les tortues. On veut qu'ils soient bien, nos tortues. Ça, c'est le premier Pabzou que je regarde, c'est vraiment sympa. Bah, c'est mon premier. Hein. Kravenagen, merci. Là, on va avoir d'autres, d'autres tortues qui vont être mignonnes aussi. Juste, ouais, ce que je voulais faire, c'était clac, clac. Hop, hop, hop. C'est Brutus et Tortue, modifier zone de travail. Et je vais mettre ça aussi dedans. Le truc, c'est que là, je pense que, en termes de personnel, j'ai combien de personnel qui bosse dans Brutus et Tortue ? J'ai un seul soigneur. Je vais mettre deux nouveaux soigneurs qui vont bosser pour Brutus et Tortue. Ce qui font que, au moins... Je me suis donné à faire des petits zones de travail et tout, en vrai. Hein. J'ai essayé de faire un truc bien. C'est pas parfait, mais... charge de travail élevée dans le grand enclos. Grand enclos, c'est charge de travail élevée, nouveau soigneur. Boum. On n'hésite pas. Mécanicien. En fait, j'ai des thunes, donc... Je vais mettre deux mécaniciens. Un pour Brutus. Et Tortue. Alors ça, c'est grand enclos. Et les mécaniciens, je mets un pour grand enclos. Et ouais, grand enclos, ça charbonne. Hein. Et un deuxième pour Brutus et Tortue. Là. Voilà, parfait.